Bonjour à tous. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui va porter sur la compréhension des différentes difficultés que les femmes et les jeunes entrepreneurs rencontrent en RDC et le partage de quelques pistes de solutions pour améliorer le climat entrepreneurial en RDC. Alors, je me présente, je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de MicroCF Consulting, MSC, et je serai un peu le chef d'orchestre, pardon, de la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, avant de commencer, quelques points logistiques comme nous avons l'habitude de le faire. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien? Si c'est bien le cas, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Donc, si vous identifiez cette boîte à questions, c'est cette boîte, cette même boîte que vous pourrez utiliser pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Si vous m'entendez, c'est parfait. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site Internet dès demain. Alors, pour faire un petit peu les présentations, lors de notre webinaire d'aujourd'hui, on va un petit peu voyager. Alors, il sera présenté par Rocky Abdoul, qui est consultant à MSC et qui est basé à Kinshasa. Et Elisabeth Berthe, qui est notre directrice régionale, qui elle est de l'autre côté du globe aux États-Unis à Seattle. Et à leur côté, nous avons la joie d'accueillir un joli panel aux côtés de Madame Mami Kalonda, qui est directrice générale de Finca RDC, et de Madame Seyet Seya, qui est directrice chargée des incubateurs à l'OPEC. Donc, avec nous, elles partageront leurs expériences et leur perception de l'écosystème de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en RDC. Elles auront sans doute l'occasion de se présenter un petit peu plus amplement tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter quelques mots, MSC en quelques mots. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une société de conseil international qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Depuis cette année, nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que nous avons également ouvert des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en RDC. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Rocky pour en savoir un peu plus sur nos activités. Je suis sûre qu'il sera ravi de vous rencontrer. Alors, en condensé, on peut dire que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie, afin de réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Ce que nous faisons, nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain, qui, eux, sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Cette expérience, on la partage également à travers notre institut ELIX, qui est notre organe de formation. Alors, hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présentiel, qui jusqu'à présent étaient principalement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne qui bénéficient, elles, d'une accréditation de l'Université du Québec. Nous avons déployé nos offres de formation en ligne pour faire face à la situation actuelle. Et la dernière disponible, c'est justement celle sur l'entrepreneuriat. Alors, on espère vraiment que la session d'aujourd'hui vous donnera encore plus envie de la suivre afin de renforcer vos capacités dans le domaine. Et je laisserai Rocky en dire un petit mot.
Plus récemment, nous avons lancé le hub de la finance digitale. Alors, le hub, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui est 100% francophone, qui fédère du contenu diversifié comme des articles, des infographies, des vidéos, des podcasts, du matériel de formation, un calendrier d'événements autour de la finance digitale à ne pas manquer. Alors surtout, n'hésitez pas à vous inscrire parce que cette plateforme, elle est gratuite. Elle a pour ambition de rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème et il faut vraiment vous l'approprier. Vous y trouverez différents outils et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le sujet du jour. Donc, Rocky, tu as la parole. Merci beaucoup Rebecca pour cette présentation, cette introduction. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois de nous avoir rejoints cet après-midi. Je suis Rocky Abdul, consultant à Microsoft Consulting et je serai le modérateur de ce webinaire. Alors, de l'entrepreneuriat en RDC. Commençons tout d'abord par dire qu'en RDC, pour la période de 2000 à 2018, la croissance économique et le nombre d'entrepreneurs constituent les principaux déterminants du chômage chez les jeunes et les femmes. Alors, il faut observer que le marché d'emploi formel congolais est très limité et principalement constitué des MPME congolaises et d'un petit nombre de grandes entreprises, et souvent qui appartiennent à des grands groupes étrangers. Alors, parmi le goulot d'étranglement au marché de l'emploi congolais et qui limite la possibilité de création d'emplois pour les secteurs privés, nous pouvons citer le mauvais climat des affaires, l'insuffisance des infrastructures et des services publics, un accès limité au financement et des obstacles réglementaires, des monopoles d'entreprise et des incertitudes quant aux droits fonciers. Alors, cet état de choses pourrait par exemple expliquer que moins de 100 étudiants sur 10 000 chaque année du système produit par le système universitaire congolais parviennent à trouver un emploi décent, ou soit la raison pour laquelle des femmes congolaises n'arrivent pas à créer des entreprises formelles. Alors, le webinaire d'aujourd'hui s'articule sur 4 points. Nous allons commencer tout d'abord par une petite ébauche du climat des affaires en RDC. Puis, nous allons parler des difficultés que rencontrent les entrepreneurs congolais. Ensuite, nous allons ouvrir notre panel de discussion avec nos invités d'aujourd'hui. Et après, nous allons clôturer à la session avec une séance de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre directrice Elisabeth Berthe. Merci, Ronki. Le climat des affaires en RDC est déficient dans presque toutes les dimensions. Même dans la perspective limitée d'attirer les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et de croissance. Malgré les réformes sectorielles et réglementaires récentes, selon la liste de la Banque mondiale, la RDC se classe 183e sur 189 pays pour la facilité de faire des affaires. Le climat des affaires reste défavorable au secteur privé. Les institutions publiques sont dysfonctionnelles et les entreprises sont confrontées à un énorme déficit d'infrastructures. Selon l'enquête des entreprises de l'RDC, la dernière enquête de la Banque mondiale, 56% des chefs d'entreprise estiment que l'alimentation électrique est coûteuse et peu fiable et constitue un obstacle majeur à la croissance des entreprises. Environ la moitié des entreprises se plaignent de manque d'accès des terrains viabilisés, des transports coûteux et peu fiables, tandis qu'une sur cinq est gênée par des services de télécommunications coûteux et peu fiables. Parmi les problèmes soulevés pour les propriétaires des petites entreprises, citons la difficulté d'accéder à un arbitrage efficace, les pénuries d'électricité, la mauvaise administration fiscale, les problèmes fiscaux, les problèmes de sécurité, le manque de services de développement des entreprises et quand il existe, n'est pas adapté au marché local et enfin les difficultés d'accès au financement. Les grandes entreprises ont mentionné entre autres la réglementation excessive des affaires, la mauvaise administration des licences et des permis, la faiblesse des infrastructures de transport et le manque de compétences et les difficultés d'obtenir les financements.
Le secteur privé est dominé par les micro et petites entreprises. En effet, alors que les petites entreprises ont traditionnellement joué un rôle important dans l'économie, la plupart de la main-d'œuvre manufacturière est piégée dans les activités à très faible productivité, en grande partie dans le secteur informel. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises en général du secteur informel, comme ça du secteur formel, jouent un rôle social et économique important. Elles créent des emplois, même précaires, donnent des revenus aux ménages et petits groupes et développent un esprit d'entrepreneuriat tout en rendant les gens productifs. Plus de 90% des entreprises sont de petite taille, donc de 1 à 9 employés. Et près de la moitié d'entre elles sont présentées sur le marché depuis moins de 5 ans. Pourtant, les entreprises de 6 ans et plus contribuent à la plupart des emplois en RDC, donc environ 60%, et ces jeunes entreprises représentent plus de 35% de l'emploi total. On estime que 80% des activités commerciales en RDC se déroulent sous le radar. Le niveau élevé d'informalité est dû au fait qu'il est difficile de faire des affaires en RDC. Pour la majorité écrasante d'entreprises formelles, 88% la principale forme de financement du capital est l'épargne individuelle. Compte tenu du manque dû à l'absence d'une culture de l'épargne, les entreprises sont insuffisamment financées. Donc, la RDC traverse actuellement une période d'énormes difficultés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et bien-être sur tous les plans, à savoir le plan social, le plan économique, le plan financier et le plan culturel, le plan politique, le plan de développement, bref, autant sur le plan macroéconomique et sur le plan sectoriel, alors que le pays dispose d'un énorme potentiel sur le plan minier, agricole, énergétique, climatique et culturel. Mais nous devons reconnaître que la classe politique actuelle de la RDC a été une situation de dégradation considérable du climat des affaires dans ces dernières 20 ans. Bien que la détérioration du climat des affaires en RDC relève de l'histoire du pays, les gouvernements actuels ont toujours du mal à mettre en place des dispositions aussi bien réglementaires que législatives pour concourir l'assainissement de l'environnement des affaires, facilitant ainsi les acteurs économiques à développer et accroître leurs activités de production de la richesse nationale. Malheureusement, cet esprit entrepreneurial et des initiatives de petites et moyennes entreprises et de tout autre opérateur économique est vite freiné et décourager et anéanti par donc, en premier lieu, la corruption, qui est facile à diagnostiquer mais difficile à traiter. Certes, le RDC n'a jamais fait figure de bon élève en matière de lutte contre la corruption. En 2019, selon l'indice de Transparency International, elle est classée 168e sur la liste de 180 pays les plus corrompus de la planète. Les experts affirment que ce flux coûte chaque année plusieurs milliards de dollars à cet État. Paradoxalement, le RDC possède plusieurs organes de lutte contre la corruption. Donc, on peut citer, par exemple, la Commission éthique de la lutte contre la corruption, l'Observatoire du Code éthique professionnel, la Cellule nationale des renseignements financiers, le Cour des comptes, l'initiative de transparence dans les industries extractives. Mais les pratiques de la petite et la grande corruption n'ont pas cessé. La méconnaissance et le manque de maîtrise des règles juridiques dont les conséquences et la persistance d'un caractère informel de l'économie. Les procédures de création sont centralisées. Plusieurs entrepreneurs de l'RDC se plaignent que toutes les procédures de la création d'entreprises sont centralisées dans la capitale à Kinshasa. Ceci favorise la croissance du secteur informel, parce que plusieurs n'ont pas cette patience d'attendre des autorisations pour opérer. Comme les taxes, le système fiscal est particulièrement complexe,
et inadaptée aux défis de l'entrepreneur. Les entrepreneurs se sont harcelés par les recouvrements, ce qui contribue encore une fois à la préférence pour l'informel. Et dernièrement, le manque d'incitation. Donc, la création de l'entreprise n'est pas stimulée en RDC. Ici, on ne parle pas seulement des structures d'encadrement, mais également de toutes les mesures autour, de sorte que la population se sent soutenue. Dans plusieurs pays, les entrepreneurs bénéficient d'un allègement ou suppression des taxes pour les premières années de création d'entreprises et certaines entreprises évoluent dans les secteurs jugés prioritaires reçoivent des subventions ou rebattements des impôts. L'amélioration du climat des affaires en RDC est donc indispensable pour fournir des emplois et des opportunités aux jeunes en bâtir ainsi un monde plus sûr, intégrer les laissés pour compte, que soit plus équilibre et plus pacifique. Il y a une absence de stratégie et mécanismes nationaux, provinciaux et locaux pour soutenir l'entrée et l'accès à des PME. Par rapport aux entreprises détenues par les hommes, les entreprises détenues par les femmes ont moins d'employés et des bénéfices plus faibles. L'écart entre les sexes dans les bénéfices est 49%. Malgré ces différences dans la taille de performance des entreprises, un certain nombre des entreprises individuelles détenues par les femmes obtiennent d'aussi bons résultats que celles détenues par les hommes. Certaines font même encore bien mieux que beaucoup d'entreprises appartenant à des hommes. Il existe un certain chevauchement dans la distribution des bénéfices, mais l'écart entre les sexes en matière de bénéfices est persistant dans toute la distribution des bénéfices. La principale question est de savoir comment amener davantage d'entreprises appartenant à des femmes au niveau performance d'entreprises appartenant à des hommes. Si les femmes doivent profiter de la parité, les politiques doivent être bien connues afin d'éliminer des écarts entre les sexes qui affectent actuellement les différents niveaux de développement des entreprises de l'économie. Les femmes et les jeunes entrepreneurs congolais rencontrent plusieurs défis, donc en voici quelques-unes. La formation académique et professionnelle, y compris l'absence des modules reconnus de la formation continue. Le manque d'innovation et de vision chez les entrepreneurs, l'opportunisme et la tendance à imiter ce qui existe, à ce que l'autre entreprenne, le manque des organisations spécialisées dans le développement des entreprises et le manque d'institutions financières ou des instruments financiers spécialisés. Au-delà de ces difficultés, la motivation à entreprendre existe toujours. Et ceci est encouragé très fortement. Merci beaucoup et je repasse la parole à Araki. Merci beaucoup Elisabeth pour cet aperçu général. Alors, essayons de comprendre pourquoi les institutions financières congolaises octroient difficilement des crédits. Et donc ici, nous allons juste partager certains des grands facteurs qui expliquent ces comportements. Alors, premièrement, nous allons parler de la limite des dépôts. Alors, certaines institutions financières congolaises disent qu'elles ont du mal à accorder des prêts à tout le monde parce que les dépôts dont elles disposent sont limités. Donc, et en plus, la réglementation de la Banque centrale du Congo ne permet pas aux institutions financières de prêter au-delà d'un certain seuil. Alors, le deuxième obstacle ou la raison avancée par les institutions financières, nous avons l'absence d'état financier bien présenté. Alors, les MPME qui demandent souvent des prêts doivent être évaluées. Donc, elles doivent présenter des états financiers spécifiques et qui sont fiables pour avoir du crédit et pour permettre aux institutions non seulement d'évaluer la structure financière, mais aussi de se rassurer de la capacité de remboursement. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles ne disposent pas de ces états financiers et encore moins revus parce qu'on ne sait pas réellement si ce sont des états financiers qui sont vrais. Et
Tous ces éléments ici empêchent les institutions de finaliser leurs évaluations en vue de la prise de décision et se voient très souvent refuser les crédits. La troisième raison, c'est la crainte de la fraude. Il faut bien reconnaître qu'en RDC, il y a un peu ce souci d'absence du système d'identification fiable et de qualité, comme dans d'autres pays. Ceci permettrait d'identifier chaque individu et ce qui rend ce manque ici rend difficile le suivi de mouvements financiers de ces derniers, parce qu'il n'y a pas d'historique. Alors, ceci permet à ce que des individus qui sont mal intentionnés de se dérober après avoir contacté un prêt. Et c'est pourquoi dans beaucoup d'institutions financières, nous avons souvent des cas de disparus. Alors, c'est pour cette raison que seules les personnes qui peuvent être bien identifiées au travers d'un garant ou soit vraiment d'autres pièces justificatives peuvent profiter ou peuvent bénéficier de crédits. Alors, le quatrième obstacle, c'est la performance mitigée de la centrale des risques. Parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas vraiment cet outil de bureau de crédit en RDC qui est beaucoup efficace. Donc, ici, la banque centrale a mis en place une centrale des risques et dont le fonctionnement ne permet pas encore l'accès régulier et rapide à certaines informations pratiques et qui sont utiles, telles que l'historique du crédit d'un client ou la qualité et la disponibilité d'un bien à recevoir qui a été mis sous garantie. Alors, le fait de ne pas avoir ce niveau de précision de l'information fait que les banques sont toujours confrontées, ou les institutions financières en général, sont toujours confrontées à des problèmes qui rendent la décision toujours difficile et augmentent les risques auxquels elles sont confrontées parce qu'ils n'ont pas, que dirais-je, ils n'ont pas un score, un credit score qui permet quand même de parler de la notoriété, de la fiabilité et du niveau de remboursement du client. Enfin, nous pouvons parler aussi de la capacité de remboursement. Alors, il faut reconnaître ici que la capacité du client à rembourser le prêt est un critère très déterminant pour se voir accorder un crédit. Alors, sans une bonne trésorerie, des flux financiers présents ou prévisionnels, qui seraient peut-être appuyés par une rémunération régulière pour certaines autres personnes, il est difficile pour une institution financière de se rassurer qu'un remboursement sera effectif et donc de consentir à lui accorder un prêt. Alors, nous devons admettre que cet état des lieux est un peu stressant jusqu'ici, mais comme on dit en français, si la vie te donne des citrons, il faut en faire de la limonade. Et je sais que nous n'avons pas d'autre choix que d'innover et de créer un environnement qui fonctionne pour la population congolaise. Alors, au-delà de ces raisons avancées par les institutions financières et les différents défis auxquels elles font face, alors la bonne question était celle de savoir quelles seraient alors les pistes des solutions. Alors, je sais qu'il y a des solutions et c'est pourquoi nous avons ces panels. Alors, pour autant tarder, nous allons passer à notre panel d'aujourd'hui et je vais demander à nos invités du jour d'activer leur micro. Bonjour Madame Mamie et bonjour Madame Seya. Bonjour, Bonjour Rocky. Super. Alors, encore une fois, merci d'être présente parmi nous aujourd'hui. Chers participants, juste pour vous rappeler, si vous avez une question, n'hésitez pas à les écrire dans la petite boîte chatée et nous y répondrons lors de la séance de questions-réponses. Si vous regardez juste dans la boîte à droite, vous allez voir qu'il y a une boîte où on écrit chatté. Vous pouvez écrire votre question et quand nous serons dans la séance des questions-réponses, nous pouvons y répondre. Alors, je vais commencer par Madame Céa de l'OPEC. Bonjour encore une fois, Madame Céa. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'OPEC à l'émission, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Je suis Madame Seyat Seyed.
Je suis directeur chargé des incubateurs à l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle. Et l'OPEC, c'est une institution de l'État qui existe depuis 48 ans. Il a à son actif plusieurs réalisations, dont les plus récentes sont la sensibilisation de 320 jeunes à l'entrepreneuriat, l'incubation de 48 artisans bottiers, communément appelés cordonniers, la formation en gestion de 60 femmes entrepreneurs, la mise à niveau des 92 PME pour les rendre éligibles au concours de la Banque mondiale, le COPA, et l'accompagnement de 23 jeunes dans le parcours entrepreneurial. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Céa. Voilà. L'OPEC, 50 ans, presque 50 ans d'existence, c'est vraiment louable. Alors, je vais directement prendre la première question, Madame Céa. Alors, de nombreuses études nous montrent que les jeunes d'aujourd'hui sont très motivés pour générer des changements positifs. Alors, qu'est-ce qui permet, selon vous, aux jeunes de réussir et qui les ou soit qui les empêche de réussir en tant qu'entrepreneurs ici en RDC? Oui, je pense que les causes des réussites, on peut citer que les jeunes sont pleins d'énergie et de vivacité et qu'ils sont dynamiques et ont beaucoup d'ambitions légitimes qu'ils doivent satisfaire. Et puis, les jeunes ont beaucoup de talent et sont très créatifs pour relever les défis et saisir les opportunités. Là, c'est des causes qui sont propres, internes aux jeunes. Et il y a aussi des causes externes, beaucoup plus des causes d'échec de l'entrepreneuriat de jeunes, parmi lesquelles nous pouvons citer les plus poignants. Il y a le manque de capital d'amorçage. Les jeunes souvent n'ont pas d'argent pour commencer leur activité et souvent ils n'ont pas ou peu de formation en matière d'entrepreneuriat et il manque aussi des mentors, des modèles qui pourraient les inspirer. Et à côté de cela, il y a aussi la difficulté d'accès au marché. Les marchés, que ce soit public ou privé, souvent les jeunes ont beaucoup de mal à accéder à ces types de marchés. Voilà. Madame Mamie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question sur les blocages ou les motivations pour les jeunes congolais ou les femmes congolaises à entreprendre? Je pense que Madame Sennett a été plus large dans sa réponse, mais tout ce que je peux ajouter, c'est que l'accompagnement des jeunes, c'est un terrain qui est complètement ouvert en République démocratique du Congo, étant donné que la majorité de notre population est les jeunes. Il y a beaucoup de talents. Mais l'accompagnement, c'est quelque chose qui continue à manquer dans notre pays. Et nous avons besoin de plusieurs structures pour accompagner les jeunes et surtout des mesures qui peuvent accompagner ces jeunes. Elle a parlé ici des 320 entrepreneurs que l'OPEC a eu à former. Nous aimerions que ces chiffres soient multipliés même par 100, parce que ces jeunes sont bel et bien là. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la jeunesse est là, la main-d'œuvre est là. Et il nous faut une participation encore plus que tout ce qui est en train d'être fait actuellement. Merci beaucoup. Alors, comme nous parlons des structures, je rebondis directement sur la deuxième question. Alors, nous sommes convaincus que les chances de réussite des jeunes sont souvent liées à des facteurs qui sont externes. Et ici, nous voulons comprendre quelles sont alors les politiques actuellement ou les programmes qui sont actuellement en RDC. Et qui pourraient être renforcés ou mis en place pour soutenir les jeunes ou les femmes tout au long de leur cycle de vie comme entreprise. Madame? Oui, je peux répondre. Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, je pense vraiment que les programmes pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, certainement, il y en a très peu par rapport à l'immensité de tâches qu'il y a à faire. Mais je dirais tout de suite que chez nous, à l'OPEC, nous avons mis en place un vaste programme d'accompagnement de jeunes à l'entrepreneuriat. Et dans ce programme, nous accompagnons les jeunes pratiquement dans tout le parcours entrepreneurial. Nous commençons par les identifier, les sensibiliser, leur inculquer la culture entrepreneuriale. Et puis, nous passons par l'étape que nous appelons le profilage pour connaître le profil des uns et des autres afin de pouvoir mieux les orienter dans le secteur qui leur convient le mieux. Et puis, finalement, nous les mettons en salle pour des formations et ces formations sont couplées des coachings sur terrain. Alors, nos jeunes, nous commençons déjà par leur montrer comment procéder pour trouver une bonne idée d'entreprise et puis nous les amenons sur terrain pour confronter cette idée d'entreprise avec le besoin du marché et finalement nous faisons l'étude du marché et il y a toute une panoplie de modules de formation sur l'entrepreneuriat qui finalement va aboutir par l'élaboration d'un plan d'affaires et on va finalement les accompagner à la recherche du financement. Et d'ailleurs, à ce propos, actuellement, nous sommes en train d'accompagner nos 23 jeunes à compétir dans un concours de la Banque mondiale. Il y a des panneaux partout dans la ville, le COPA, qui est organisé donc par la Banque mondiale pour soutenir l'entrepreneuriat congolais. Et nous, nos jeunes, donc, nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent être non seulement éligibles, mais qu'ils soient aussi sélectionnés, qu'ils gagnent ce concours. Qui en fait est une vraiment opportunité pour eux d'être subventionnés pour matérialiser leur idée d'affaires. Très, très bonnes initiatives et programmes pour l'inclusion des jeunes. Et, mais peut-être je vais revenir à Madame Mami en lisant la littérature. J'ai vu que Finca a aussi participé aux sessions d'éducation financière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, avec les sessions en éducation financière, comme le fait OPEC, Finca le fait aussi seul ou avec d'autres organisations comme OPEC, par exemple, avec les jeunes qui sont formés. Ce que nous, Finca offre aux jeunes, c'est qu'après la formation, Madame Sennett venait juste de dire, après ça, ils ont besoin d'un financement. Formés, oui, mais après, comment est-ce qu'ils vont mettre en pratique cette formation? Ils doivent investir pour devenir entrepreneurs. Ils doivent commencer quelque part. Et souvent, après avoir eu cette connaissance, il manque l'aspect finance. Donc, c'est là que Finca intervient. Après avoir donné l'éducation financière sur comment faire, comment planifier, comment commencer son activité, avec le plan d'affaires que les jeunes auront mis en place, Finca va l'accompagner avec un financement. Et ce financement, nous avons plusieurs partenaires qui nous aident à ce que ce financement soit réussi. On accompagne les jeunes après avoir eu leur premier financement. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui a été formé en coupe et couture. La personne a toutes les capacités, mais ce qui va manquer maintenant, c'est avoir une machine. Ce que Finca fait après la formation, c'est de donner une machine à coudre à la personne. Et quand la personne va commencer à coudre, généralement dans des accompagnements comme ça, on le fait dans les associations. Les associations, ça peut être aussi... ça peut être aussi OPEC, ça peut être Elan, ça peut être FPM, ça peut être INPP. Et dès que ces jeunes sont sélectionnés, ont bien répertorié, parce que vous avez parlé de l'aspect risque, nous n'aimerions pas donner un apport financier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dès que l'aspect risque est bien analysé, on donne la machine à ces jeunes, et les jeunes commencent à travailler un mois, deux mois, et au troisième mois, et il va commencer à payer petit à petit. Si la machine avait coûté 100 $, il va commencer à payer petit à petit jusqu'à payer complètement le 100 $. Et après un temps donné, dès que l'argent sera remboursé, la machine va lui appartenir. Et c'est comme ça que la personne va créer une autonomie. Et peut-être prochainement,
ayant déjà un business qui existe, elle peut se dire, je me paye une deuxième machine. Et là, la personne va créer même de l'emploi. C'est ça même l'entrepreneuriat. Avec une deuxième machine, elle est obligée d'engager une personne pour travailler à deux. Et ainsi de suite, c'est comme ça que l'entreprise va aller de l'avant. En fait, c'est cette approche que Finca prend quand il s'agit d'accompagner le jeune dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. C'est comme du micro-leasing pour les jeunes, parce que avec tout ce qui est vanté comme les avantages du micro-leasing. Alors, je vais prendre la question suivante. Nous savons qu'en RDC, l'esprit d'entreprise, soit la motivation d'entreprise, c'est soit par nécessité, et c'est la forme est la plus répandue, ou soit l'entrepreneuriat d'opportunité, pardon, et qui est relativement rare. Alors ici, j'aimerais juste comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qui peut être fait pour accroître l'entrepreneuriat d'opportunité en RDC. Madame Seya? Oui, merci. À mon avis, la première des choses à faire serait de revoir un peu de près notre programme scolaire. Parce qu'il se trouve que depuis nos grands-parents, peut-être nous-mêmes et nos enfants, nous avons tous été éduqués comme des demandeurs d'emploi. Alors que la réalité maintenant, c'est que le marché de l'emploi est de plus en plus étroit et que les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux. Si bien que nos jeunes, lorsqu'ils ont fini leurs études, ils se lancent donc dans cet entrepreneuriat de subsistance, cet entrepreneuriat de nécessité, en attendant de trouver mieux. Et alors, en changeant donc le programme scolaire, ou plutôt en intégrant les cours et entrer à l'entrepreneuriat, nos enfants seront formatés comme des créateurs d'emplois. Alors, l'entrepreneuriat sera pour eux vraiment un choix de vie et non pas quelque chose en attendant mieux. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est que nous puissions un peu renverser ce paradigme-là. Nous pensons toujours que pour réussir après les études, il faut faire léger l'honneur, aller travailler ailleurs. Donc, il faut que nous puissions changer notre façon d'appréhender cet aspect de choses. Merci beaucoup pour cette madame. Alors, pour notre public, je souligne que madame Mami est la directrice générale de Finca International. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons agir pour un peu changer la tendance qu'on quitte de l'esprit d'entreprise par nécessité vers l'entrepreneuriat d'opportunité où les jeunes auront quand même le temps d'étudier les marchés et d'étudier et d'avoir des éléments à présenter pour que l'entreprise soit viable? Il y a un aspect, je pense que ce que Madame Senet a proposé est très capital. Parce qu'il faut changer la mentalité, les mindsets, de chercher toujours à ce que je sois engagé quelque part, à se dire je dois aussi engager. Là, c'est un, parce que là, c'est l'approche de l'individu d'abord. L'individu doit prendre cette décision de le faire et c'est toute une éducation. Il y a aussi l'aspect structurel. Il faut que le gouvernement puisse aussi s'impliquer dans cet aspect structurel, notamment en améliorant les climats des affaires. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune ouvre son activité, les premiers jours où l'activité commence, automatiquement, certains doivent payer de l'impôt. La directrice l'a présenté lors de son speech au début de ce webinaire. Il y a les impôts. Il n'y a pas une phase où on peut encourager un jeune entrepreneur de commencer, on s'est dit, il est en train de grandir. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Le climat des affaires n'est pas favorable pour quelqu'un qui vient de commencer. Ou soit la personne peut se dire, OK, je lutte, je vais essayer de payer ma patente et autres. Mais après ça, il y a des pénalités. Quelqu'un peut avoir un capital de 200 $. On lui demande de payer les pénalités de 500 $.
automatiquement, on demande à ces jeunes de mourir. Donc là, c'est l'aspect d'abord climat des affaires. Il faut qu'il y ait cet appui du gouvernement pour créer cette possibilité aux jeunes entrepreneurs d'avoir le courage d'oser, de commencer, parce que ils seront encouragés par la communauté, ils seront encouragés par le fisc, parce que c'est un début. Il n'y a pas cet accompagnement en République démocratique du Congo. Et quand on regarde, par exemple, le jeune qui se lance dans l'agriculture, en se lançant dans l'agriculture, il y a tout un accompagnement qui doit venir du gouvernement. Il y a, par exemple, l'infrastructure. Bien sûr, dans des endroits ruraux, si vous y arrivez, la plupart des jeunes, ils ont cette possibilité de trouver un terrain où on peut produire des tomates, on peut produire des légumes. Mais comment acheminer cette production dans des grands centres pour que ça soit acheté? C'est aussi un autre problème. L'infrastructure pose problème. Donc, il y a cet aspect, cet accompagnement qui doit aider le jeune à aller de l'avant. Quand il veut faire quelque chose, il y a cet accompagnement du point de vue infrastructure, le climat des affaires qui l'encourage à investir, qui l'encourage à aller de l'avant. Moi, je pense que c'est aussi les éléments nécessaires pour aider le jeune à commencer avec l'esprit d'entrepreneur et aller de l'avant avec ses idées, ses initiatives. Merci beaucoup, Madame Mami, pour ces éléments. Donc, on voit que tout retombe sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Alors, peut-être pour chuter avec Madame Céa, je voulais juste comprendre, pour finir, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux institutions financières congolaises ou aux bailleurs pour augmenter l'accès des jeunes aux services financiers. Merci. Merci. Je pense que s'il faut donner un conseil aux institutions financières, ce serait peut-être leur demander de penser à offrir des services financiers vraiment spécifiques et adaptés aux jeunes, cela à un taux préférentiel, et aussi leur suggérer de chercher à nouer des partenariats avec des incubateurs, des structures qui encadrent les PME, à l'instar de ce qui s'est fait à l'Est avec SMICO. Je pense que, parce que dans ce sens-là, les structures, les incubateurs pourraient déjà préparer les bonnes PME, les bonnes idées d'entreprise. C'est un peu comme, si je peux faire une analogie, les structures d'encadrement des entreprises seraient un peu comme la maman qui cherche à marier sa fille. Vous voyez, la maman qui veut marier sa fille lui apprend à faire le foufou, lui apprend à balayer la maison, à tenir la maison. Et finalement, lorsque l'enfant est prêt, finalement, on déverse l'enfant sur le marché du mariage. De même, les structures qui encadrent les PME et qui s'occupent de l'entrepreneuriat pourraient prendre en amont les porteurs d'idées, les entreprises qui ont du potentiel et finalement les modeler, les apprêter pour qu'elles puissent être acceptées par les institutions financières. Voilà les quelques conseils que je pense pouvoir donner aux institutions financières. Merci beaucoup, Madame Céa. Et donc, comme vous donnez des conseils déjà aux institutions financières, donc là, je vais tourner directement à Madame Mami pour cette séance des questions beaucoup plus tournée sur l'intervention de Finca sur le marché congolais. Alors, je suis désolé, Madame Mami, je ne vous ai pas présenté. Directement, on est entré dans le panel. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Finca en une, deux minutes? Je suis Mami Kalonda et je suis le DG de Finca RDC. Je travaille avec Finca, ça fait 18 ans. J'ai travaillé avec Finca dans plusieurs pays en Afrique et Finca RDC aura 18 ans aussi, a eu 18 ans cette année, en mars 2021. Nous sommes une institution de microfinance
qui appuie le jeune entrepreneur, les micro-entrepreneurs, de sorte à les aider à améliorer leur niveau de vie à travers des solutions durables dans leurs activités. Et les solutions durables que nous avons, c'est le crédit, les épargnes et autres. Présentement, Finca RDC a plus de 400 000 clients. Nous avons un grand réseau d'agents bancaires, plus de 1 600 réseaux. Nous avons 23 agences dans 10 provinces en République démocratique du Congo. Nous sommes dans l'ancien, s'il faut appeler l'ancien Grand Katanga. Nous sommes au Congo central, Kinshasa, Mbujima et Kananga. Kisangani, Ouélé, Bukavu, Goma, Tanganyika. Et Finca est présent. Nous avons 23 agences. Finca a plus de 600 employés. Et nous sommes une filiale du groupe Finca International qui est présent dans 20 pays. Et voilà, si je peux dire en quelques mots, présenter Finca RDC. Merci. Wow. Donc, Finca, c'est comme une machine pour l'inclusion financière en RDC. Ok, rapidement, je passe à, Madame la DG, quelle lecture rapide vous faites de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes Congolais actuellement? L'esprit entrepreneurial chez les jeunes Congolais, cet esprit est réel. Cet esprit est réel, premièrement. On sait voir que chaque jeune, comme on l'a présenté au début, plus de milliers de jeunes qui terminent les études aujourd'hui universitaires, c'est difficile de trouver de l'emploi, mais ces jeunes arrivent à quand même s'adapter dans la communauté. Pourquoi? Parce que c'est visible qu'il y a le succès, il y a l'opportunité là-bas. Et donc, la lecture que nous sommes en train de faire, oui, il y a vraiment cette opportunité de succès qui est réelle dans notre communauté, mais cette opportunité est butée à plusieurs difficultés, notamment la culture, surtout pour la femme. Quand la femme évolue dans l'entrepreneuriat, il y a la communauté généralement qui ne l'appuie pas. Quand on parle encore de la femme, on voit le préjugé même de jeunes, des gens qui sont expérimentés ont tendance à dire aux jeunes qui ne sont pas expérimentés, alors que l'expérience doit commencer par quelque chose. L'expérience doit commencer par quelque chose. Et là, c'est une difficulté qui est réelle pour le jeune, parce qu'il faut leur donner une chance pour que ces jeunes puissent avoir de l'expérience et aller de l'avant. Il y a aussi la peur. Quand on prend le femme, plus il y a la peur. Elle s'est dit, si je me lance dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, il y a le succès. Le succès, c'est visible et ça s'annonce. Mais la femme s'est dit, mais si je vais de l'avant, est-ce que je vais trouver le mariage? Et si j'ai un mari qui ne travaille pas, moi, on me donne le crédit de 50 000 dollars, est-ce qu'il va être content avec moi? Ces aléas, ces difficultés qui empêchent aux jeunes et aux femmes de tenir bon dans l'entrepreneuriat. Si, mis à part le climat des affaires, qui est quelque chose de très capital qu'il faut améliorer en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais, Madame, nous avons dans la littérature remarqué que les premiers actionnaires pour les activités entrepreneuriales de femmes mariées, c'est leur mari. Alors, dans votre processus de crédit, votre processus d'approche aux femmes, est-ce que vous ne vous butez pas souvent sur ces problèmes-là où les femmes seront amenées à partager le crédit accordé à cause de leur business avec leur mari, parce qu'il le reconnaît et le mari aussi s'identifie comme le premier actionnaire? Ah oui, là c'est énorme. Hier, j'en ai même reçu un mari qui dit, moi je suis, il a donné, il a écrit une lettre de plus de 5 pages pour dire le code civil de la RDC, l'homme est le chef de la famille et tout, oubliant qu'en République démocratique du Congo, surtout en matière de finances, ce n'est plus une obligation pour une femme d'avoir l'autorisation maritale pour ouvrir un compte. Ça, c'est la loi. C'est déjà la loi, ça c'est déjà l'oubli. Mais quand la femme est consciente que la loi m'autorise de commencer, d'entreprendre mes activités et donc je dois le faire, elle souffre doublement, non seulement le mari, mais aussi la communauté.
la communauté qui va la traiter de tout le monde. Il y a des expériences où le mari dit non, donc je pense que ma femme a beaucoup évolué, moi je n'ai qu'un salaire de 500 $ et vous, finca, vous voulez lui donner un crédit de 100 000 $. Non, en tout cas, ce n'est pas possible. On a vu des femmes, après avoir évolué dans leurs activités, un bon jour, elle vient, elle dit non, on a changé les noms de business, ce n'est plus à mon nom, c'est au nom de mon mari, c'est au nom de mon enfant, parce que la femme estime que quand ça évolue, un homme doit prendre le contrôle. Et pourquoi elle l'estime? Parce que la communauté a déjà mis ça dans la tête. C'est déjà une culture. Et il y a le préjugé où on estime que ce n'est pas la femme qui doit prendre les devants, ce n'est pas la femme qui doit plus avoir le grand revenu dans le ménage. Donc ça, c'est certain. Il y a cette culture africaine qui est là. Il y a la communauté, des fois, qui n'accompagne pas la femme. Voilà pourquoi nous, par exemple, au niveau de Finca RDC, nous encourageons la femme parce que nous avons vécu. Finca RDC a commencé avec la femme. Au début, c'était seulement les femmes qui étaient des clientes. Mais à un certain moment, on a dit, on prend des hommes. Mais à partir du moment où on a dit, on prend des hommes, même la femme qui avait déjà une expérience, qui avait évolué, elle s'est dit, tu sais quoi, je travaille avec mon mari, je préfère que mon mari prenne les crédits. Et du coup, on a vu que le nombre de femmes a commencé à baisser et le nombre d'hommes ne faisait qu'augmenter. Alors que nous sommes une entreprise genre, nous devons encourager la femme. Donc, ce qui a fait que Finca RDC a été obligé de mettre en place un produit uniquement pour la femme, avec des solutions adaptées, avec une tarification un peu appropriée pour la femme. Comme ça, l'homme va se dire, OK, au lieu que je prenne le crédit et je paye un taux d'intérêt de 4% alors que ma femme paye 2%, autant mieux que je laisse la femme. Voilà les stratégies que nous avons mis en place pour essayer de garder cette femme. Mais je pense que ce qui pousse la femme à ne pas évoluer, à ne pas aller de l'avant, il n'y a pas que le mari, mais il y a aussi la communauté et qui empêche vraiment à ce que cet esprit puisse être boosté et amener la femme à devenir un jour DG de son propre entreprise. Exactement, et ça tombe bien comme nous sommes en train de clôturer le mois de mars, qui est le mois où on fête les droits de la femme. Alors, j'ai entendu dans votre intervention que vous avez mis, vous avez conçu un produit pour la femme. Et du coup, la question qui suivait, c'était celle de la contribution actuelle des Finca dans l'engagement, l'autonomisation et la promotion de la femme entrepreneur congolaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Au fait, dans notre engagement, nous, Finca, la première des choses, nous voulons motiver la femme à garder le devant, à accepter qu'elle peut aller de l'avant, parce que nous donnons l'éducation financière. Quand nous donnons cette éducation financière, c'est pour aider la femme à apprendre à bien gérer son argent. Et quand une personne sait bien gérer son argent, c'est évident que cette personne puisse aller de l'avant. On facilite la femme dans l'ouverture de compte où on ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit seulement de la présence physique de la personne et d'une pièce d'identité valable. Le compte est ouvert pour la femme et on lui donne cette facilité de même faire les transactions sur son téléphone. Et on donne cette facilité au crédit en se basant sur la réalité que cette personne est en train de connaître dans la communauté. Et c'est toutes ces mesures mises ensemble, c'est ce qui aide la femme à être plus autonome et qui la motive aussi. Et dans l'éducation financière, à un certain moment, c'était ciblé femme, mais nous nous sommes dit, vu qu'il y a ces préjugés dans la communauté, des fois, il est mieux de joindre aussi l'homme à l'éducation financière, parce que quand on est en train d'éduquer sa femme par rapport au crédit que la femme est en train de prendre, l'homme est là. Et l'homme comprend les enjeux. Cet argent n'appartient pas à ma femme, c'est l'argent du crédit. Et donc, quand cet argent vient, et cet argent doit entrer dans le business pour nous permettre de rembourser les crédits. Peut-être après avoir remboursé le crédit, nous pouvons utiliser cet argent. Mais si cet homme n'est pas joint au crédit, et c'est là que l'homme se décide, quand la femme arrive avec l'argent à la maison, on se partage 50-50. Et en se partageant 50-50, la femme ne sera plus en mesure de rembourser. Donc, dans notre éducation financière, nous avons commencé à joindre aussi l'homme parce que pour que le succès soit vraiment complet, l'homme doit aussi être dedans. Dans notre processus d'octroi des crédits, on joint aussi l'homme, pas pour donner l'autorisation à la femme
d'avoir le crédit, mais pour comprendre ce en quoi la femme est en train de s'engager, parce qu'il est témoin, il sait que c'est un crédit qui doit être remboursé. À ce moment-là, l'homme encourage aussi la femme pour que cet argent soit remboursé. Donc, ce sont là les stratégies pour vraiment rendre autonome la femme que Fink a mise en place. Madame Mami, sur la presse congolaise, nous avons vu le 8 mars, vous avez lancé un produit juste pour elle. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner, c'est un produit destiné à qui et quelles sont les configurations de ces produits pour que elle soit mise sur le marché congolais? Juste pour elle, c'est un produit juste pour la femme. Pourquoi ces produits? Parce que nous avons constaté qu'en majorité, les femmes, quand elles évoluaient, au lieu de continuer à diriger leur business, elles se disaient que c'est mieux qu'un homme puisse gérer parce que c'est devenu grand, un homme que l'homme puisse gérer cette activité. Et dans la plupart des cas, à 80% de ces cas, ces business ont fermé tout de suite après. L'homme est bien, oui. Mais il n'a pas le même, le même tic que la femme. Ce n'est pas tout le monde qui a ses dents. Parce que cette femme a commencé avec son 50 dollars et ces 50 dollars s'est transformé en 50 000 dollars, en 100 000 dollars. C'est différent d'une personne qui vient qui trouve 100 000 dollars déjà. Je crois que c'est facile d'avoir les 100 000 dollars et facilement cet argent est dilapidé ou soit les mauvaises décisions empêchent à ce business de continuer à fonctionner parce que la personne qui vient de prendre ne connaît pas les racines de cette activité. Voilà pourquoi Fink a lancé le produit juste pour elle. Premièrement, pour motiver la femme à ne pas céder son business à une autre personne parce que ça ne sera pas avantageux. Avec le produit juste pour elle, il y a des bénéfices que la femme a et que si elle donnait ce produit à un homme, parce que c'est dédié à la femme avec à des taux préférentiels. Là où on offre 5%, on dit non, cette femme a été avec nous, on lui fait, au lieu de 5%, elle va payer avec 3% seulement de taux d'intérêt. Et avec cette différence, c'est difficile, même l'homme lui-même, qu'il accepte de prendre le crédit à un taux un peu plus élevé. Là, on encourage la femme à garder son business, mais par contre, à y joindre l'homme pour qu'il soit son directeur financier, pour qu'il soit son gérant, mais qu'elle-même garde le contrôle de son activité. Là, c'est de un. De deux, on a voulu aussi remercier la femme parce que cette femme a fait confiance à Finca. C'est la fondation de Finca. Au début, Finca ne pouvait travailler qu'avec des femmes. Au début, Finca s'est limité à donner un crédit maximum de 80 dollars. Et là, la majorité des hommes se disaient, non, ça c'est quelque chose pour les femmes, c'est trop petit. Mais cette femme a rendu cette institution grande. Cette femme a fait de Finca RDC ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que cette femme a réussi qu'à la fin, l'homme s'est dit non, moi aussi, je dois avoir les crédits pour évoluer comme cette femme. Alors, c'était une manière pour nous de dire merci à cette femme en lui donnant, en lui dédiant un crédit tout à fait particulier à elle avec de taux préférentiels et à octroyer dans toute rapidité. C'est donné aux femmes qui ont de business actifs, des femmes qui ont une expérience déjà, l'histoire avec Finca. On connaît que cette femme a fonctionné avec Finca pendant tant d'années. Maman, pour te dire merci, désormais tu vas avoir le produit juste pour elle. Avec ce produit, ton taux d'intérêt sera moins que celui que tu as toujours payé. Donc voilà pourquoi nous avons lancé ces produits, juste pour lui dire merci. 18 ans, nous dédions ces 18 ans à la femme. Voilà, 18 ans récompensés. J'aime trop la stratégie de rendre l'homme comme son directeur financier. C'est franchement un bon duo et nous espérons que ça va marcher. Alors, peut-être, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà dans la boîte, je prends l'avant-dernière question rapidement. Si on doit parler du digital, les clientes de Finca sont-elles adeptes du digital? Parce que j'ai vu que Finca aussi est tellement engagée, tellement poussée par rapport au marché congolais, tu sais qu'il y a des services financiers digitaux. Comment est-ce que vous évaluez cette adoption digitale chez les femmes?
L'adoption de digital chez les femmes est le faible. Elle est faible par rapport à l'homme. Nous avons rendu tout le produit, c'est vraiment, comme on dit en anglais, user-friendly. La femme peut vraiment le faire. Mais cette adoption, si on compare à l'homme, elle est faible. Elle est faible encore de par la nature. La femme, quand c'est son téléphone, c'est son fils. Est-ce que tu peux regarder? Il peut bien acheter, elle peut bien acheter un téléphone Android. On peut bien lui donner comme cadeau les téléphones Android. Mais pour son utilisation, c'est son fils, c'est sa fille qui gère ce téléphone. Et du coup, quand il faut faire les services financiers sur son téléphone, elle trouve que c'est trop lourd. Elle trouve que c'est trop lourd. Donc, nous avons constaté que les femmes ont du mal à utiliser par rapport, s'il faut prendre le pourcentage par rapport aux hommes, les hommes utilisent très facilement les solutions digitales que les hommes. Et voilà pourquoi Finca, nous avons pris une autre initiative. Nous avons un réseau d'agents bancaires. Les réseaux d'agents bancaires, c'est le boutiquier qui est juste à côté de la maison de notre cliente ou bien notre cliente potentielle. C'est la personne qui a juste la pharmacie dans les quartiers. Et ce que nous avons fait, nous avons doté nos agents bancaires d'un système qui peut le permettre d'ouvrir le compte. Comme ça, la femme qui ne veut pas utiliser son téléphone pour ouvrir son propre compte, elle peut passer par l'agent parce que c'est quelqu'un qui est dans son quartier, qui est dans son village. Il parle le même langage, ils se comprennent facilement. Cette personne peut ouvrir un compte pour elle, et chaque jour, elle peut commencer à venir y jeter un 500 francs, un 1000 francs, un 2000 francs selon ses capacités. Donc, nous nous sommes rapprochés davantage quand on a constaté que la femme n'utilise pas tellement, mais dans nos programmes d'éducation financière, nous avons aussi augmenté l'attention de la femme vers des solutions digitales parce que c'est trop autonome. C'est vraiment trop autonome. Quand une femme peut se réveiller le matin, elle va acheter les histoires au marché parce qu'elle vend les tomates, oignons et autres. Elle va acheter, mais l'argent qu'elle a ne suffit pas. Alors qu'elle voit qu'il y a une bonne marchandise, si elle achète, ça va lui permettre d'avoir des bons profits sur son téléphone. Elle peut seulement utiliser le compte Lona Odefa que Fink a mis en place ensemble avec Vodacash pour avoir un crédit de 50 dollars et acheter sa marchandise, aller vendre, ce qui va lui permettre d'avoir 60-70 dollars et ça lui permet d'aller de l'avant. Donc, nous avons incorporé ça dans notre curriculum de formation pour aider la femme à comprendre et à utiliser les solutions digitales qui sont en place. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour chuter, parce qu'on doit passer à la séance des questions-réponses, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux femmes entrepreneurs congolaises ou celles qui aspirent à les devenir ici, parce que vous savez que vous êtes du côté des institutions financières? Ah oui, nous sommes du côté des institutions financières. Nous encourageons la femme. Parce que la femme, c'est vraiment la pierre angulaire dans la réussite, que ce soit pour la communauté, que ce soit pour l'éducation de la femme. Et le conseil que je peux donner à la femme entrepreneur ou bien celle qui veut le devenir, c'est de s'engager dans les activités en utilisant le moyen de bord. La femme ne doit pas chercher à monter déjà au 10e étage sans commencer par le premier étage. Si vous avez 20 dollars, vous pouvez commencer votre activité avec le 20 dollars. Et seulement, il faut toujours distinguer votre capital de votre profit. J'ai investi 20 dollars dans mes marchandises, j'ai vendu, j'ai 30 dollars. Eh bien, je dois mettre mon 20 dollars de côté. Et si je dois utiliser quelque chose, c'est sur les 10 dollars que je dois utiliser. Et les 10 dollars que j'ai eu, je ne dois pas tout utiliser. Je dois toujours, toujours prendre même un 2 dollars. Ajouter à mes 20 dollars pour que mon capital change de 20 dollars et devienne 22 dollars. Et aussi, les femmes doivent être patientes si elles veulent aller loin. Il faut être patiente. Il ne faut pas acheter une marchandise à 20 dollars. Tu te dis, moi, je dois vendre ça seulement à 50 dollars. Alors que la voisine qui est à côté de toi est en train de vendre ça à 40 dollars. Moi, je conseillerais à la femme de vendre ça, par exemple, à 30 dollars
Elle va se faire un profit de 10 dollars. Cette marchandise va partir en une journée. Demain, elle va encore acheter la marchandise. Ça va partir en une journée. Après demain, et au bout d'une semaine, elle peut se faire un profit de 50 dollars. Mais si elle cherche à avoir les 50 dollars du coup, cette marchandise va rester 30 jours. Donc, la rotation sera trop lente. Et quand la rotation est lente, il y a une forte probabilité que leur marchandise s'abîme, mais aussi de perdre, parce que tu dois payer les loyers, tu dois manger, tu risques de consommer ton capital. Et aussi d'être patiente dans les dépenses. On peut chercher à dépenser aujourd'hui 50 dollars, 100 dollars pour s'acheter un sac, le pagne. Mais si on n'en a pas le moyen, reportez ça à demain. Avec vos épargnes de 2 dollars par jour que vous êtes en train de faire, après 360 jours, vous serez en mesure de vous payer un pagne de 100 dollars sans toucher à votre capital. Et pour le moment, elle se réveille tôt le matin, elle va au marché. N'oubliez pas que vous avez une famille et votre famille, c'est votre bénédiction. Des fois, le mari devient méchant tout simplement parce que la femme quitte la maison à 5 heures du matin pour revenir à 20 heures fatiguée, ne sachant pas qu'est-ce que les enfants ont fait, qui sait qu'est-ce que le mari a mangé, qu'est-ce que le mari va porter demain. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Vous pouvez avancer dans votre activité, mais avancer aussi avec votre famille. Que votre famille se retrouve et ayez aussi le temps de passer avec votre famille. Même si c'est votre activité, prenez un temps off, même un dimanche où vous restez en famille, parce que leur joie, c'est une bénédiction pour votre commerce. Voici ce que je peux donner comme conseil aux femmes entrepreneurs. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Sea et Madame Kalonda, pour ces interventions constructives. Mais s'il vous plaît, n'allez pas loin parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, place maintenant à notre session des questions-réponses. Ici, je passe la parole à ma collègue Rebecca pour les questions qui sont déjà posées. Rebecca, vous avez la parole. Merci, Rocky. Merci à toutes les deux. C'était très intéressant de voir comment pouvoir se réinventer, comment impliquer des valeurs entrepreneuriales et ce, dès le plus jeune âge. Alors, on a eu en effet beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on pourra répondre à toutes. On va en prendre quelques-unes. Ne vous inquiétez pas si jamais on ne répond pas à votre question. Comme d'habitude, on prendra le temps et le soin d'y répondre par mail. Alors, sans plus attendre, Madame Seyed, si vous pouvez ouvrir le bal des questions. Donc la première question s'adresse à vous. Est-ce que accompagner un entrepreneur à gagner son premier marché n'est pas aussi important que l'accompagnement qui est fait actuellement, celui en avant du business model? Pardon, vous pouvez reprendre la question? Oui. Alors, j'essaie de la poser différemment. Généralement, les formations les accompagnements des incubateurs qui sont faits aux jeunes se limitent souvent dans l'activité en amont. Ne pensez-vous pas que dans l'accompagnement en aval, donc tout ce qui est vente, technique de négociation, pourrait aider à gagner du nouveau marché et ça deviendrait le nouveau modèle sur lequel il faudrait se pencher? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre l'accompagnement différemment? Oui, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si cette assertion est vraiment correcte, dire que les formations et les accompagnements des incubateurs et les accompagnements de jeunes se limitent rien qu'aux activités en amont. Je ne sais pas s'il y a des structures qui le font, mais à ma connaissance, nous commençons déjà avec les activités que nous appelons les pré-incubations. Il y a ensuite l'incubation proprement dite et il y a aussi le post-incubation. Alors, dans le post-incubation, c'est là que nous aidons les entreprises, entre autres, à rechercher des marchés, à savoir négocier. En fait, notre souci, ce n'est pas seulement de leur donner l'accompagnement de façon théorique. Donc, lorsque l'entreprise qui est en incubation
finalement finissent tout le cycle d'incubation. Il quitte l'incubateur, mais nous ne le lâchons pas. Nous continuons avec lui en dehors de l'incubation. C'est ce que nous appelons donc l'étape de post-incubation. Et nous ne le lâcherons que lorsque nous serons sûrs que cette entreprise est suffisamment solide et qu'elle peut voler de ses propres ailes. C'est-à-dire que l'entreprise est réellement performante, compétitive et surtout pérenne. Donc, sinon, ça ne servirait à rien d'accompagner une PME et finalement de la laisser en cours de route. Là, on aurait travaillé en vain parce que l'entreprise va disparaître à un moment ou à un autre. Donc, voilà un peu. Je pense que, en tout cas, nous, la plupart des structures qui encadrent les PME que je connais ne se limitent pas en cours de chemin. Encadrer juste en amont, c'est vraiment faire le travail à moitié. Oui, donc c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant la question suivante, il y a une question sur les domaines. Quels sont les domaines dans lesquels s'investissent les jeunes et les femmes en RDC? Peut-être que vous pouvez toutes les deux intervenir là-dessus. On peut commencer par vous, Madame Mami, et ensuite Madame Seyette pour compléter. Le jeune en RDC, généralement, je vois pour les femmes, elles sont plus dans la coupe et couture, les salons de coiffure, le salon de beauté, et la majorité, les jeunes filles. Les mamans sont plus dans le ventre des divers, des histoires à manger. Et les jeunes gens, généralement, ce sont des cybercafés. Il y a les salons de coiffure. Il y en a qui se lancent aussi dans la transformation, par exemple, de maïs en farine. Il y en a qui sont dans la mécanique. Mécanique, oui. Électricité, ce sont là les activités dans lesquelles les jeunes, je pense en majorité, il y en a presque partout, mais en majorité, c'est là. Et les jeunes, ce qu'on a constaté, les jeunes ne se lancent pas trop dans, quand on prend la chaîne des valeurs dans l'agriculture, vraiment le début, planter, non, les jeunes peuvent peut-être se lancer dans la partie transformation. Dans la chaîne des valeurs, quand il s'agit de l'agriculture, on trouve le jeune à partir de la transformation ou bien des transports. Voilà. Merci, madame. Est-ce que, madame Seyette, vous faites la même lecture ou le même constat? Oui, je pense que madame Mamie a parfaitement raison. Si je peux ajouter quelque chose, dans les secteurs vers lesquels les jeunes aiment beaucoup plus investir, il y a aussi les applications numériques. Il y a plusieurs jeunes qui aiment se lancer dans faire des applications, des innovations, des trucs un peu trop virtuels là. Et puis, il y en a aussi qui sont dans le transport, dans la transformation en général. Mais je pense que c'est vraiment dans le sens que Madame Mamie, qu'il ne faut pas l'oublier, est une institution financière lorsqu'on entreprend, on passe forcément par elle. Donc, voilà. Le digital a quand même, prend quand même sa place sur le devant de la scène petit à petit. Absolument, absolument. Les jeunes, surtout les jeunes que je suis en train d'encadrer, sur les 23, là, il y en a 7 qui sont dans le digital. Un tiers. Merci beaucoup. On avance un petit peu. Alors, la question suivante s'adresse à Madame Mamie. Y a-t-il un produit financier dédié jeunes entrepreneurs, GFINCA, et quelles sont les conditions d'accès aux jeunes? Est-ce que FINCA donne déjà des micro-leasing en RDC? Oui, nous avons des produits dédiés aux jeunes. Et dans la plupart des cas, ces produits, nous évoluons avec des partenaires. On le fait en synergie, comme l'avait dit Madame Senette. On le fait en synergie. Nous avons des centres d'apprentissage qui forment ces jeunes. On leur donne les outils nécessaires pour
comprendre, avoir les savoir-faire. Et nous, nous intervenons dans la partie éducation financière et puis l'accompagnement financier. Donc, nous travaillons avec les sociétés, les incubateurs qui viennent vers nous, qui nous recommandent les jeunes déjà formés. On dit tel jeune a été formé, maîtrise déjà son travail. Et donc, si on lui donnait une chance, il peut devenir entrepreneur et aller de l'avant. Et nous, nous commençons la première expérience. Il y a l'incubateur qui nous accompagne parce que ces jeunes doivent être accompagnés. Dès que le jeune termine sa première expérience, il devient autonome. Et à ce moment-là, il devient un client comme tout autre client que Finca sert. Mais la première expérience, on a besoin de l'accompagnement de l'incubateur, comme l'a dit Madame Senet, parce que s'il n'est pas accompagné, il peut facilement aussi se perdre. Donc, on a cet accompagnement à la première expérience et après, nous continuons et le jeune peut continuer maintenant seul. Merci beaucoup. Justement, Madame Seyette, sur toutes les entreprises que vous avez suivies et accompagnées à RDC jusqu'à présent, combien sont d'ores et déjà opérationnelles? Et comment est-ce que vous évaluez, c'est plusieurs questions, les questions, pardon. Donc, combien sont d'ores et déjà opérationnelles et comment faites-vous pour évaluer leur impact sur le taux de chômage? Bon, je crois qu'il faudrait déjà relever que de toutes les entreprises que l'OPEC est en train de suivre, il n'y a pas que celles qui débutent. Parce que j'ai dit office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises. Donc là-dedans, il y a des gens qui veulent débuter, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y a aussi des gens qui sont déjà opérationnels, mais qui viennent vers nous pour un problème ou un autre, ils ont une difficulté en gestion, en management, et puis ils viennent chez nous comme un malade viendrait pratiquement à l'hôpital pour se faire consulter et pouvoir guérir. Alors, si je dois répondre à cette question, je pense que c'est beaucoup plus dans le sens des entreprises qui sont nées sous notre coaching. Et là, je ne sais pas si vraiment je peux donner les chiffres ici parce que l'OPEC a 48 ans d'âge. L'OPEC a 48 ans d'âge. Je prendrai peut-être les réalisations les plus récentes. Ils sont encore en incubation, en fait. Ils sont encore en incubation. Mais dans notre logique, nous disons, si nous avons 50 jeunes qui sont en incubation, cela égale à 50 entreprises potentielles. Encore faudrait-il que nous puissions pouvoir arriver jusqu'au bout du cycle. Mais pour dire que combien de PME nous avons amené qu'ils soient opérationnels, il faut savoir qu'il y en a qui sont venus à nous déjà opérationnels et qui sont venus pour un problème ou un autre pour pouvoir être accompagnés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez tout à fait apporté des éléments de réponse. La question était un petit peu incluait plusieurs questions. La troisième question, c'est est-ce qu'il y a une protection ou quelle protection est garantie aux petits entrepreneurs par le gouvernement? Bon, je ne sais pas ce que vous voulez entendre par garantie aux entrepreneurs, mais je peux déjà dire que les petits entrepreneurs, de façon générale, bénéficient d'un traitement de faveur, si je peux ainsi dire. Depuis même la création au guichet unique, ils ne payent rien. Ils ne payent rien pour avoir le statut d'entrepreneur. Et à ce titre-là, ils ne sont pas assujettis aux taxes comme les autres. Les autres PME, ils payent juste un montant forfaitaire et il est annuel. Je pense que c'est déjà une facilité. Et à côté de cela, sans pour autant être vraiment très, très experte en la matière, mais je sais qu'il existe le code d'investissement dans lequel il y a quand même plusieurs facilités qui sont accordées aux entreprises qui débutent. Parce qu'à mon avis, je pense que si les PME ont des problèmes, certainement le gouvernement a sa part de responsabilité, mais je pense que c'est quand même un peu partagé parce que les PME en général ne cherchent pas l'information.
J'ai eu récemment un échange avec quelqu'un de la NAPI. Ils se plaignent que la plupart des avantages qu'ils accordent là-bas, souvent, c'est des entreprises étrangères qui vont vers eux pour demander des avantages, alors que les entreprises congolaises sont tout simplement ignorantes, ne recherchent pas l'information. Donc, il y a certainement des garanties, des avantages que le gouvernement accorde aux entreprises, petites entreprises congolaises, mais qui souvent sont ignorées par les entrepreneurs eux-mêmes. Voilà. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Je voudrais enchaîner avec une question pour vous, madame Mamie. Cette personne dit, je suppose qu'une évaluation des risques est faite avant d'octroyer un financement, que ce soit un financement. Comment faites-vous pour gérer dans le temps les différents bénéficiaires pour qu'ils soient en mesure de rendre les intérêts au délai prévu? Oui, en fait, nous analysons chaque emprunteur à Finca à un agent que nous appelons le client officer. Donc, il y a une personne qui s'occupe particulièrement de chaque client qui vient à Finca. Cette personne est censée visiter le client d'abord à son domicile pour connaître son adresse et autres, vu que en République démocratique du Congo, on n'a pas un système d'identification nationale. Donc, on visite la personne à son domicile. On visite aussi la personne dans son activité pour comprendre comment son activité fonctionne. Et là, je vous dirais que sur 100% de personnes, et surtout si ce n'est pas un PME, la plupart des personnes ne connaissent même pas distinguer, établir leur bilan, leur tableau de profit et pertes. Ce sont nos agents qui les font en lieu et place des clients. Et là, la personne peut-être avoir demandé un crédit. Elle dit, moi, je veux que vous me donniez un crédit. Je suis en mesure de rembourser 100 $ chaque mois. Et mais quand nous allons descendre sur place, nous allons constater que la personne, effectivement, arrive à toucher 100 $ chaque mois, mais les 100 $ ne constituent pas un profit. Et du coup, son remboursement ne peut pas être dans le capital. Nous, Finca, nous allons faire les calculs et regarder si la personne reçoit, par exemple, un profit de 100 $ chaque mois, son remboursement ne devra pas dépasser 40 $. Et à ce moment-là, même s'il y a une difficulté, la personne peut être à mesure de rembourser le crédit. Donc, nous avons des agents qui sont spécialisés, qui sont formés, qui sont rodés pour analyser les activités, accompagner les clients et l'orienter. Oui, tu as demandé 100 $, mais en regardant ta capacité à rembourser, il est mieux que tu prennes 50 $ et petit à petit, tu pourras arriver à avoir 100 $. Commence d'abord petit et puis tu vas devenir grand. Tout comme la personne peut demander 100 $ alors qu'elle a la capacité de prendre même 500 $. Là aussi, on va dire à la personne, tu sais, tu es à mesure de prendre 500 $, mais comme tu estimes que tu as besoin de 100 $ seulement, on te donne le 100 $. Donc, il y a toute une équipe de personnes rodées, formées, qui travaillent individuellement avec chaque client. Très bien. Merci, merci beaucoup. Je vais poser la dernière question. Les autres, je rappelle, on y répondra par mail. Donc, je vais prendre la dernière question avant de repasser la parole à Rocky, mais on en a beaucoup, ça a beaucoup été évoqué lors de la présentation. Il y a eu beaucoup de défis concernant les femmes et les jeunes pour développer leur entreprise. Selon vous, que faire pour relever et repêcher la femme, le jeune, qui veulent tenter cette aventure entrepreneuriale? Est-ce que vous auriez des pistes un peu concrètes de solutions à proposer? Je pense que vous pouvez proposer quelque chose chacune votre tour. Madame Mamie, vous pouvez garder la parole et Madame Seyette pour clôturer. Oui, les propositions sont là. Nous accompagnons le jeune, nous accompagnons les femmes. Comme je l'ai dit, on les accompagne selon leurs activités, leurs connaissances, leurs capacités. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est trop spécialiste en digital, on lui dit non, donc toi tu dois aller dans la transformation. La première étape que nous faisons, c'est d'abord connaître quel est le domaine
qui est le plus approprié par rapport à ses clients. Et d'ailleurs, des fois, quand une personne peut venir, il a, par exemple, il vend le bois, et puis il dit non, moi je vends le bois, mais je vais commencer une nouvelle activité pour commencer à vendre le véhicule. Nous, ce que nous allons demander à cette personne, c'est de prendre d'abord le crédit pour le bois et épargner, mettre de côté de l'argent pour commencer son activité de véhicule avec son propre argent et y aller petit à petit. Parce que quand on commence une activité nouvelle, on n'a pas encore l'expérience requise et ça peut ou ne pas marcher. Donc, nous avons cet accompagnement, mais l'accompagnement va avec les domaines d'expertise de notre client. On l'accompagne là où il est, on a des conseillers, on a des gens qui sont formés, qui sont rodés, et dans chaque activité, nous avons des personnes bien ciblées qui peuvent accompagner les clients et les conseillers pour pouvoir aboutir dans ce qu'il est en train de faire, ou bien si c'est une cliente, dans ce qu'elle est en train de faire, ou bien ce qu'elle veut entreprendre. Donc, pour commencer, nous regardons d'abord les domaines où la personne a de l'expérience, les domaines où la personne a la force, les domaines où la personne a la compétence. Et c'est dans ces domaines que nous l'accompagnons parce que là, il y a plus de chances que cette personne puisse réussir. Merci beaucoup. Madame Ziet? Oui, si je peux ajouter à cela, c'est que nous faisons pour finalement relever les défis que nous avons décriés tout à l'heure. Nous, en tant qu'encadreurs de PME, pour relever les défis, nous nous appuyons vraiment sur un document, un travail de fond qui a été fait par notre ministère à travers différentes structures d'encadrement de PME. Le travail, c'est le Programme national de développement de l'entrepreneuriat, PRONADEC en sigle. Alors, dans ce programme-là, on a bien sûr commencé par relever les défis auxquels font face les PME et on a donné les pistes de solutions qui, s'il faut le résumer, se déclinent en 3C, une trilogie de 3C baignée dans le grand C. Alors, le premier C, le premier petit C, nous allons donc, pour élever les défis, encadrer les PME et renforcer leurs capacités entrepreneuriales et managériales, leur donner le mental, leur inculquer un mental d'entrepreneur. Donc, c'est le premier C, renforcement de capacités. Le deuxième C, il nous faut donc mener toutes sortes d'actions pour amener les PME à accéder facilement au financement. Donc, le C comme crédit. C'est comme crédit. Et finalement, le dernier C, c'est le C comme contrat. Parce que l'un des problèmes qui a été décrié, c'est qu'ils n'ont pas souvent accès au marché intéressant. Alors donc, nous allons les accompagner en renforçant leurs capacités, en les accompagnant à accéder au crédit et en les accompagnant à accéder au marché. Et tout cela en continuant à veiller à ce que le climat des affaires, donc climat des affaires, le grand C, soit de plus en plus amélioré pour que finalement nos entreprises puissent être prospères. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire, apport. Rocky, je te laisse la suite. Merci beaucoup, Rebecca, et merci pour cette transition que Madame Seyet vient de faire parce qu'elle me pousse vraiment à parler de cette recommandation-là de formation en entrepreneuriat. Alors, l'Institut Elix, qui est notre organe de formation en collaboration avec la Fondation Mastercard, nous avons développé un cours intitulé « Se lancer dans l'entrepreneuriat ». Alors, c'est un cours de 8 modules qui est sur 7 heures d'apprentissage et qui s'adresse spécifiquement à des jeunes de 15 à 25 ans. Et c'est un cours gratuit. Alors, il couvre toutes les thématiques que nous avons jugées importantes sur l'entrepreneuriat, la culture entrepreneuriale, esprit et gestion d'entreprise, de l'idée à l'action, comment faire l'étude du marché,
comment faire les prototypages, interactions et tester, comment faire les pitches, comment faire la gestion financière de la crise, comment faire les partenariats stratégiques et comment lever des fonds. Alors, au terme de cette formation, les participants qui sont les entrepreneurs potentiels, ils ont toutes les cartes à main pour développer ou gérer leur projet d'entreprise. Alors, pour les incubateurs, les institutions de formation ou les gouvernements, on peut travailler avec vous, en fait, pour tailler cette formation à l'environnement local. Alors, n'attendez plus, si vous êtes là en train de nous suivre, rendez-vous sur notre site web de la finance digitale et inscrivez-vous. Alors, pour finir, parce qu'on a déjà pris 6 minutes de plus, je repasse la parole à Rebecca pour le dernier mot. Merci Broki. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Hub. Je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre. C'était très, très intéressant. Vraiment, l'une des choses les plus importantes qu'on doit faire pour façonner un avenir durable, c'est très certainement d'investir dans une culture entrepreneuriale et résiliente, en particulier chez les jeunes qui représentent une part importante et croissante de la population. À vous entendre, on voit que les femmes sont entrepreneurs, sont vraiment l'épine dorsale de la croissance économique et de puissants moteurs de développement et d'inclusion financière. Donc, on connaît ce potentiel entrepreneurial et on sait qu'il est particulièrement puissant lorsqu'il bénéficie du soutien des secteurs publics et privés. Donc, vraiment, on compte sur vous. On arrive à la fin de notre webinaire. Toutes les questions qui seraient restées sans réponse y seront encore une fois répondues par mail. Je voudrais vraiment vous remercier, Madame Calonda. Merci, Madame Seya. Merci pour votre temps. Et je vous invite à continuer la conversation sur nos réseaux sociaux ou nous contacter par mail si vous le souhaitez. On reste à votre entière disposition. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Rocky. Merci, Elisabeth. Merci, mesdames. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.